Salut tout le monde! Aujourd'hui, nous revoilà dans une nouvelle vidéo pour vous faire la vidéo de la valise à Mango car je pars une semaine chez ma soeur et ma soeur a déménagé donc du coup il n'y aura plus de vidéo de Nesquik car Nesquik est parti avec elle car c'est son hamster et elle l'a pris. Et du coup, pour la valise à Mango, on va débuter tout de suite et juste avant ça, je voulais vous prévenir que maintenant, pendant toutes les vacances, il y aura une vidéo. Par semaine, le vendredi à 17h30. Donc, cette semaine, il y aura la vidéo si j'arrive à la sortir vendredi, là, elle sortira. Mais la semaine prochaine, il n'y en aura pas car je suis pas chez moi, comme je viens de vous dire, je suis chez ma soeur. Donc, ça va être très compliqué. Bref, on va pas blabater plus, hein, pardon, blabater plus. Donc, je vous laisse avec la suite. Donc, tout d'abord, j'emmène sa valise, donc avant qu'elle était à moi, mais maintenant sa vie. Donc, pour ce qui est promenade, activité et tout, je lui emmène. Donc, on va faire par catégorie. Donc, pour les promenades, j'emmène son collier de d'habitude, donc que j'avais eu à Action, mais je crois que ça m'a plu. Donc, voilà tout ça. Et j'y emmène un harnais de chez Carly Flamingo. Donc voilà, son harnais pour les balades, les grandes balades et tout. Donc pour le trajet, il y aura juste un jouet dans la voiture et ça et un doudou. Donc voilà. Et pour la laisse, je vous emmène ça, laisse de l'habitude, car j'ai pas de laisse, mais ça sert à rien, du coup je vais prendre celle-là. Ça va être très très bien, qui fait 5 mètres, hein, voilà. Tourne pas. Voilà. Là, je la bloque. Mais sinon, elle est débloquée. Regardez. Mais là, je vais la bloquer parce que sinon. Voilà. Mango, il est juste là. Pardon. Et pour ce qui est question de jeu, donc il est juste là parce qu'en fait il attend sa nouvelle balle. Donc, non, tu restes là, tu vas l'avoir de nuit. Donc, ok, question jouer, c'est dans un bac comme ça. Donc, qui était dans un truc à cheval parce que je faisais du cheval avant, mais j'ai arrêté. Du coup, j'ai mis tous ces jouets dedans. Donc, je vous fais montrer ça tout de suite. Donc, en première vue, il y a deux balles comme ça qui viennent de chez Action. Il y en avait trois, mais j'ai perdu l'autre. Je crois qu'il l'avait trouvé, je sais plus. Donc, deux balles comme ça, donc il y en avait trois. Donc, je crois qu'ils en vendent toujours de ceux-là. Donc, voilà, il les adore. Donc, j'emmène tous ses jouets parce qu'il a l'habitude de jouer avec tous. Donc, ces jouets, il y a la plupart des jouets qui viennent de Super U ou de Action. Vraiment de chez la jarre, si je crois que celui-là c'était Jellyfé, je sais plus. Donc celui-là ça vient de chez Action, donc pareil que les autres, mais il l'a cassé. En fait il y avait un autre truc comme ça là au-dessus, mais il l'a cassé. Du coup, bah si on veut, on peut le mettre comme ça, mais lui il se déchire tout le temps. Donc voilà, donc c'est un petit anneau qu'on peut lancer comme ça, voilà, qu'on peut lancer comme ça, qu'on peut lui donner. Après, il y a une bague de chez Subaru que je viens d'y acheter et je viens juste d'y acheter il y a 1h30. Donc voilà sa bague, donc j'ai acheté à Subaru. Une balle de tennis qu'il en avait plein avant, je sais pas où il les mettait. Du coup, j'en ai acheté une autre 89 centimes chez Intersport. Après, il a ceux de chez Super U qu'il adore aussi, pour faire ses dents. Avant, il y avait un petit nœud, mais je sais pas où il l'a mis. Après, il y a un pouit-pouit. Donc là, il n'y en a pas encore qu'ils arrivent, les potes qui font des pouit-pouit. Il y a un pouit-pouit qui vient de chez JMT, comme je vous ai dit. Après, il y a un autre pouit-pouit qui vient de chez... JMC, je crois, qui fait du vent. Après, il y a une pipe qui vient de chez Action. Celle-là, il l'a depuis longtemps. Et après, il y a un autre
qui vient de chez JMT. Donc voilà pour ces jouets. Donc il en a beaucoup, hein. Enfin beaucoup. Voilà quoi, c'est suffisant. Mais là je vais y faire le plein de jouets bientôt. Donc... Mais il en a plein, mais je sais pas où il est. Mais il y en a aussi chez ma grand-mère. Il y a plein de ballons chez ma grand-mère. Il y a deux jours. Il en a chez ma grand-mère aussi. Il en a une dizaine chez ma grand-mère. Donc voilà ce que j'emmène déjà. Avant je vous promettrai comment je prends. Donc pour promenader tout ça, j'emmène ça. Tiens, prends la balle. Tiens, voilà, passe doucement. Match. Voilà. Donc voilà ce que je vais passer. Pour question de lit. Donc normalement il est mis, mais je ne veux pas l'emmener pour une semaine. Hein. Encore si ça aurait été deux semaines, d'accord. Mais pour une semaine, voilà. Donc j'emmène sa petite dernière préférée qui, même si jamais sur mon lit, il la prend avec sa gueule, il la met dans son lit. Enfin, dans son petit lit que j'ai fabriqué avec un tête. Donc, voilà. Pour sa tête dernière. Son petit dodo, je trouve. Le plus impossible pour créer la remarque. Donc je vais le poser là. Sinon, elle va pas être contente. Et sa petite couette plaid qui est bien. Que ma soeur m'avait acheté pour Noël, mais qui kiffe aussi, donc si je le mets sur mon lit, il va la prendre. Donc voilà ce qui est question de dormir. Il n'y a pas besoin de grand chose parce qu'il dort pas tout le temps avec moi. Donc après ce qui est manger et tout ça, il nous emmène sa gamelle. Donc il a déjà mangé il y a 2 minutes et on a fait ses croquettes. Donc j'y emmène cette gamelle là, donc sa gamelle de tout le temps. Et sa petite serviette, donc voilà, que je vais poser là, et je vais remettre sa gamelle en place parce que je vais pas la récupérer. Après ce qui est manger, faut que je finisse d'abord manger, je vais prendre ses croquettes, donc c'est un petit paquet, parce que je sais que je vais aller partir en vacances souvent, donc j'ai acheté un petit paquet parce que sinon il y a des grands paquets, mais ce petit paquet, ça va. Donc ça vient de Frobits et c'est les moelleux chips. On y a acheté des pédurés durs laminés, mais pas du coup, bah, on les a donnés à ma soeur pour qu'elle les donne à son copine. C'était très compliqué. Après, je donne ça que je me suis trouvée, malheureusement, j'ai pris. Ok. Maxi 25-40 kg, mais c'est pas grave, j'ai tout. Donc comme vous pouvez remarquer, il y en a un qui est coupé. Tiens, il l'a pas eu. Donc on va y tenir. Donc voilà, il fait ça, il lui donne. Là il l'a pas. Donc ça c'est pour ses dents. Et si il y a une question de biscuits et tout ça, il y a des pots, il y a plein de deux. Et ça, il en a 3 par jour. Donc voilà pour ça. Et pour question hygiène, j'y prends juste un shampoing chien et chaud. Shampoing 0 plus éloigne radicalement plus sceptique et haute parasite. Donc c'est pour pas qu'il attrape de puces et tout ça. Donc c'est un shampoing aussi qui lave et tout, donc c'est très très bien ça. Et j'ai pour mon ancienne brosse. Donc s'il y a du blanc, c'est normal, c'est la dernière fois quand je la nettoie parce que voilà. C'est la dernière fois quand je l'ai nettoyé, bah il y a du shampoing qui a été pourri. Donc bah voilà pour l'hygiène, j'ai vendu juste ça. Donc maintenant on va passer à la aux questions comment je range dans le sac. Tout d'abord voilà le sac. Donc on va tout de suite mettre tout à l'intérieur. C'est parti. Je vais pas le manger car j'en ai besoin pour la route. Donc je vais commencer par ranger ses jouets. J'en ai laissé un pour la route. C'est sa balle préférée. Donc je vais mettre son harnais dans la caisse et je vais la mettre ici. Après ici, donc je vais lui donner ses biscuits car il n'a pas vu. J'y donne 3 petits os de différentes couleurs. Tiens. Que je mets ici. Après ces côtés, je viens les mettre ici. Ces brosses à dents ici. Ça et ça
ici. Ça. Ici. Et ça. Ici. Donc, je ferme. Donc, voilà. Pour ce qui je mets dedans. Après, ce qui est une question de gamelle. Donc, je sais pas si vous la verrez. La gamelle, elle est là. Donc, je la mets pas à l'intérieur parce que dans le trajet, on va sûrement y donner de l'eau dans la voiture. Son plaid, c'est exactement pareil. J'y mets pas à l'intérieur parce qu'il va en avoir besoin pour la voiture. Donc, il va être sûrement au-dessus. Donc, voilà. Et la serviette, je viens la ranger. Donc, là, il y a des trucs sur le côté. Je viens la ranger ici pour l'essuyer, ça va, pour pas qu'il y ait de l'eau partout dans la voiture. Donc, je la range bien. Je vais mettre ça là en enlevant. Donc, voilà ce qui est question de la valise à Mango. Donc, je mets ça au-dessus. Je vais ouvrir ceci. Je rentre à l'intérieur. Je ferme correctement. Et voilà, Mango est prêt pour partir en vacances. Donc, voilà la valise à Mango. Hop là. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, la valise à Mango est très lourde aussi, mais elle est très très simple et ça lui suffit pour tout son... Enfin, en fait, j'ai tout pris, sauf sa niche. Donc, ça lui suffit. Donc, Mango, il a pas grand-chose, mais il est gâté. Mais ça lui suffit pour un toutou, hein. Donc, bah, voilà, donc c'est tout. Et j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Mouah!